Bonjour, bonsoir, comment nous est? Après midi à son plaisir pour nous saluer, nous, comment nous est? Nous très bien, nous en forme, tout va bien. Je souhaite nous en forme, je souhaite nous en forme et nous souhaitons nous bien, nous souhaitons nous passer une bonne semaine. Après midi, je suis là ensemble avec nous, pour nous faire un petit parler ensemble avec nous. Donc, si nous pouvons abonner, je vous demande nous, à l'abonner à la chaîne YouTube là, c'est Gerville Haïti. Gerville Haïti, ses amis nous, ses amis la caille nous, ses amis préférés nous, tout le monde. T'as aimé t'entendre, tout le monde t'a aimé regarder la vidéo. Donc après midi à son réel plaisir, amis miens, m'a demandé nous abonner channel là. Sinon pour comprendre comment vous faites ça, allez, bon côté à qui marque abonné à et puis cliquez sur lui. La petite cloche qui paraît et puis cliquez sur petite cloche là, mettez-le sous tout. Toute vidéo m'la gagne, n'a pas capable de joindre toute notification. Et puis partagez vidéo, bah les amis, famille. Avec tout le monde, partagez pour plus de monde capable de toucher la chaîne YouTube. Là. Information après-midi, nous allons parler des pays Brésil. Dans le pays Brésil, et c'est un pays fédéral, et en pile monde, haïtien ou l'autre nation, c'est un pays qui recevra en pile immigrants haïtiens comme l'autre nation. Dans les immigrants haïtiens avec immigrants l'autre nation, nationalité, par exemple, l'autre nationalité qui a vécu dans le pays. Il y a son pays. Le Brésil, c'est un pays qui recevra un peu d'immigrants. Et unique pays qui est dans l'Amérique du Sud là, qui va faciliter pour quel que soit haïtien, quel que soit immigrant qui immigre dans le pays, ça, qui va faciliter pour les gens capables de résider facile sans aucune difficulté. Et c'est pour un pays côté les gens, leur rentrer au Brésil, qui a besoin d'un avocat. Pour qui intercède pour vous, pour capable de prendre papier. Le pays Brésil pas fait comme ça. Le pays Brésil facilite aux immigrants leur rentrer là-dedans. Donc, aucune facilité pour capable aller dans la police fédérale pour appliquer, pour capable de prendre papier sans problème. Dans le pays Brésil, nous voyons c'est un pays fédéral, mais c'est un pays qui est différent parmi tous les autres pays qui sont en Amérique du Sud. Peut-être qu'ils n'ont pas gagné la même culture, ou du moins tout, ils n'ont pas gagné le même système. Et la technologie est vraiment avancée. Et dans le pays Brésil, ils ont une technologie qui est avancée. Et ça veut dire que son pays, par exemple, l'Oladan, son pays qui contrôlait l'État fédéral pays a contrôlé le pays Brésil. Le pays Brésil, ce n'est pas un pays où capable de faire un bon matin, ou capable de faire que n'importe quoi là-dedans. Pour l'État pas arriver joindre. Donc si ça fait un pile haïtien peut-être les t'as vu en Haïti ou bien ou quitté Haïti ou venir ici, yo t'as choisi pour faire un tas de bagailles, mais les arrivé dans pays Brésil, n'est pas facile pour faire yo. Donc parce que sous fait yo, on pral tomber en bas sanction l'État Brésil là. Parce que l'État Brésil contrôle les pays là, quel que soit baissé. Quel que soit ça ou fait dans le pays Brésil, l'État supposé joindre. Par exemple, dans le pays Brésil, yo pas fait marché public. Par exemple, si vous sortez à Haïti, vous avez le marché public, côté tout le monde capable de vendre, al fait échange, ça ou gagne. Par exemple, le pays Brésil pas fait, yo pas fait comme ça. Le pays Brésil fait un marché, et par exemple, yo relève le marché municipal. Le marché municipal là, c'est là dans le pour aller, c'est quand on semi-maquette. Avec dit l'homme besoin bagage c'est là-dedans pour aller pour l'acheter. Pays Brésil pas accepté aucun monde vendre rien dans la rue. Pas gagne un monde qui a choisi un bon matin capable de vous capable mettre un commerce dans la rue pour vendre dans pays Brésil. Non, ça pas fait. Pays Brésil pas accepté monde vendre dans la rue. Tout le monde besoin gagner yon caille pour enfermer et puis l'état pour boire un permis pour capable vendre ça ou désirer vendre. Pays Brésil ce n'est pas un pays comme si vous allez lever un bon matin ou dit ou ton chauffeur une machine, ou pour aller lever un bon matin, ou pour aller prendre une machine, pour aller continuer dans la guerre. Ce n'est pas dans le pays Brésil. Ou pas capable de lever un bon matin pour aller continuer pour prendre une machine, ou bien pour acheter une machine, pour prendre la guerre avec, pour aller continuer. Non. Le pays Brésil a besoin de passer dans l'auto-école pour avoir une bonne autorisation, avec autorisation, avoir un accès pour continuer une machine dans le pays. Si c'est pour moto, ou al pran, ça veut dire si c'est moto, si c'est pour moto, ou al pran quoi? Comprendre si c'est pour moto, ou al pran quoi?
pendant ce temps-là, prendre quoi pour moto, motocyclette. Égal, ça veut dire que vous avez un caltera. Ça veut dire ça que le caltera, sous un caltera, c'est pour moto. Tu prends, ou pas de prendre pour machine, ou à prendre une moto seulement, ou pas qu'à jamais mettre plus son machine pour prendre une machine. Par exemple, là, vous avez ça que le caltera, ou pas ça nous-mêmes, nous aurons les licences. Si vous avez une licence, par exemple, licence là, c'est pour moto seulement. Ou apprendre ou aller dans l'auto-école, c'est pour moto seulement prendre. Moto seulement, car on continue en Brésil. Si on prend une licence pour machine, on prend ou aller dans l'auto-école, ou composer pour machine, pour moto, ou pas continuer ni machine ni moto. Mais si ou, par exemple, ou tu es un chauffeur en Haïti, ou bien dans quelque soit pays où tu sorti ou vin Brésil, ou pensez là ou vin ou cache ton machine, ou cache courir dans l'arrière, c'est pas vrai du tout. Ou pas capable de faire ça. C'est un pays qui contrôle l'État, gagne un système qui vraiment avancé. Et dans le pays Brésil, c'est ou même qui bat tête aux contraventions. Pour qu'on tout ça, ou pas jamais moun, pas gen police qui parle bon contravention. Si ou kouri machine nan dépasse 60 000 alè, et puis ou kouri machine nan dépasse, ou prend contravention pour qu'on tout, c'est ou ap kado ou moun ta vini. Et après, ou nom de moun ta ko pran, yo si pose pran licence nan amon, ou pas gen accès pour conduire dans le pays encore. Donc ça veut dire, dans le pays Brésil, moun pas capable de porter 3 moun sou moto. C'est 2 moun seulement qui ont accès à la moto et puis chaque moun sa ou de gen casse dans la tête. Dans le pays Brésil, c'est un pays fédéral. Les Haïtiens rentrent là-dedans, ou gen accès pour aller à l'école sans aucun problème. Si par exemple, vous avez fini l'étude en Haïti, vous avez dans le pays Brésil, vous avez accès pour traduire les papiers que vous avez en portugais et puis vous avez accès pour capable étudier et puis apprendre quelle que soit profession que vous avez aimé pour apprendre sans aucun problème. Dans le pays Brésil, mais il faut que vous traduisez les papiers que vous avez dans la langue portugaise dans le pays. Le Brésil, c'est un pays fédéral qui a en pile facilité. Les gens qui rentrent là-dedans en Amérique du Sud, qui ne pas forger les gens et exiger les gens, ça veut dire pour faire on sait des bagages qui sont difficiles, mais on a accès pour joindre les papiers pour fonctionner intégré dans le pays comme pour tout le monde. En Amérique du Sud, il y a plus de difficultés, il y a des pile d'autres papiers qui sont compliqués. Mais dans le pays Brésil, nous, ouais, ça veut dire tout le monde pour entrer dans le pays Brésil ou qu'à fonctionner pour gagner un papier. Mais on sait le bagaille. Si par exemple, au vin Brésil, au pensez, ou ton machin, l'or vin Brésil ou qu'à faire machin, désolé. L'or vin Brésil ou pas capable de jouer une facilité pour vendre dans la rue et pour chita, pour acheter, pour revendre. Non. Seulement si vous avez moyen l'argent dans le monde, vous avez accès pour capable et enfermer un local et puis mettre en commerce l'État bon fait comment pour faire et puis pour payer l'État taxe chaque mois et puis pour capable avancer. Et pour ça que je fais cette vidéo, ça je souhaite tout le monde capable de gagner une petite information sur le pays Brésil, comment le pays Brésil fonctionne. Le pays Brésil pas fonctionné quand pour un pile l'autre pays qui n'a pas arrivé là, mais son pays qui a une culture différente et son pays qui a une sécurité là dans tout, mais qui a une insécurité dans un pile d'État parce que Brésil situé, Brésil a 26 États à 27 États là dans tout, c'est des États qui grand et puis chaque État ça a une culture, une coutume et côté monde capable de vivre selon monde là dans le pays à belle, pays à soi. La réalité belle, il n'y a pas jeté fatra dans la rue, moun pas capable de faire un bon matin pour aller pour fatra dans la rue. Tout le monde qui a été payé pour fatra, chaque jour machine n'a pas se prendre, mais pays Brésil pas gagné fatra ni blo senti dans la rue, son pays côté moun capable de vivre, expliquer bien, il n'y a pas contaminé environnement. Donc nous même en Haïti, nous voyons contaminé environnement, il y a boule moun. Yo tout fatra dans la rue, tout ça qui mourit, tout bagaille c'est dans la rue jeté. Mais dans le pays Brésil, nous voyons environnement pas, ou environnement qui propre, yo pas contaminé. Donc c'est pour ça, me fait vidéo ça, pour m'expliquer non, dans l'autre vidéo encore, m'a capable de parler non plus de Brésil. Sinon, pourquoi abonner à l'abonné channel là, l'aime sortir vidéo pour capable joindre toutes notifications et pour capable partager avec amis, famille, pour tout le monde capable découvrir channel là. Ok, si vous aimez le travail ma faire, et bien abonnez, partagez la vidéo mieux pour plus d'autres monde capable de toucher cette chaîne là. Je vous souhaite passer une bonne soirée sous protection divine que vous mettez là. N'a encore dans l'autre vidéo. Ciao, ciao. Bon Dieu bénis.